Ethnocentrisme. L'ethnocentrisme est l'hypothèse selon laquelle son propre groupe culturel est supérieur aux autres. Je vois, il s'agit donc d'utiliser nos propres normes culturelles comme base pour juger d'autres groupes Exactement. Cela ne signifie pas nécessairement que nous voyons les autres groupes sous un jour négatif, mais nous avons tendance à considérer nos propres comportements et croyances comme normaux ou supérieurs. C'est vraiment intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple de la façon dont cela peut conduire à des biais Bien sûr. Un exemple est la valeur occidentale de l'individualisme par rapport au collectivisme. Dans la société occidentale, la dépendance est souvent considérée comme indésirable, alors que dans les cultures collectivistes, elle est plus valorisée. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Ce biais alpha peut donc nous amener à dévaloriser d'autres pratiques culturelles Oui, c'est vrai. L'ethnocentrisme peut également conduire à un biais bêta, où les chercheurs croient que leur vision du monde est la seule valable. Par exemple, utiliser les tests de QI américains à l'échelle mondiale, en supposant qu'ils sont universellement applicables. Waouh Je peux comprendre que cela puisse être problématique. Il est important d'être conscient de nos propres préjugés et d'essayer de comprendre les autres cultures de manière objective. Absolument. Reconnaître et traiter l'ethnocentrisme est essentiel pour promouvoir la compréhension et le respect interculturel.